L'échéance 2015 de l'éducation pour tous présente un bilan mitigé. 15 ans après sa mise en œuvre, seulement un seul des pays du monde ont pu atteindre cet objectif. Le Burkina Faso est classé 109e sur les 113 pays concernés. C'est ce qui ressort du rapport réalisé par l'UNESCO sur le sujet. Voilà qui fait la une de votre journal sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que le directeur des opérations de la Banque mondiale est en fin de mission après 2 ans passés au Burkina Faso. Et pendant sa mission, des projets ont été mis en œuvre au profit de la population burkinabé. Mais pour réussir à cette mission, Ousmane Diagana dit avoir bénéficié du soutien du gouvernement burkinabé. Pour cela, hier dans la soirée, il est allé traduire sa reconnaissance au Premier ministre Yacouba Isaac Zida et à sa sortie d'audience, il s'est exprimé au micro de Moussa Ouedraogo et Haruna Mari. J'ai été appelé pour d'autres fonctions au siège de notre institution à Washington. Donc il était normal que je vienne saluer Monsieur le Premier ministre. J'ai pris mes fonctions comme directeur des opérations au moment où le Burkina Faso faisait déjà face à un certain nombre de défis. Et puis par la suite, il y a eu la crise, n'est-ce pas, au mois d'octobre 2014. Et ça nous a amené à réorienter, n'est-ce pas, notre coopération avec le Burkina Faso et l'adapter aux défis du moment et au contexte. Et malgré ces circonstances, je pense qu'elle a pu accompagner le Burkina Faso de manière efficace, de manière rapide, en mobilisant non seulement des ressources additionnelles, mais aussi en faisant en sorte que les projets et programmes que nous avons dans ce pays puissent s'exécuter de façon à avoir des résultats positifs en faveur des populations. Après 15 ans de mise en œuvre, le bilan de l'objectif éducation pour tous est mitigé. Seulement un tiers des pays du monde ont pu atteindre cet objectif. Le Burkina Faso est plus à la traîne puisqu'il est classé 109e sur les 113 pays qui ont été évalués. Ces informations sont contenues dans un rapport que l'UNESCO a réalisé sur la mise en œuvre de l'éducation pour tous. Le rapport en question a été rendu public hier à Ouagadougou. Des détails avec Kwale Nebié et Draman Guéné. Il faut nécessairement une nouvelle échéance pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous dans le monde. Celle de 2000 à 2015, qui est à terme, vient de montrer ses limites. Dans ce rapport dressé par l'UNESCO, plus de 121 millions d'enfants ne sont pas encore inscrits à l'école. Bilan très mitigé donc de l'éducation pour tous après 15 ans d'expérience. Un tiers des pays au niveau du monde ont atteint ces objectifs-là. Et ce sont les pays généralement les plus nantis. Et donc c'est généralement au niveau des pays à revenus faibles et moyens que des efforts doivent être faits. Dans ce rapport, le Burkina occupe la 109e place sur 113 pays classés. Le pays est largement en deçà de la moyenne, donc loin de l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. En taux de préscolarisation, nous sommes à 4%. En taux de scolarisation des adultes, nous sommes à 36%. Et en taux d'accès en tant que tel à l'école primaire, scolarisation à peu près, nous sommes à 82%. Nous sommes donc très loin de la scolarisation universelle qui était pourtant envisagée. Et je pense que le Burkina va être au rendez-vous dans les 15 prochaines années où on a fixé effectivement des objectifs complémentaires en plus de ceux qui étaient là. Mais pour y parvenir, selon le document, il faut investir beaucoup plus dans l'éducation et mieux maîtriser la démographie dans les pays pauvres, qui ne va pas forcément de pair avec la croissance économique. Le 1er novembre prochain, les forces armées nationales du Burkina Faso vont commémorer leur 55e anniversaire. Le raffermissement de la vocation militaire au service d'une armée républicaine, c'est le thème sous lequel cet événement sera organisé. Et dans le cadre de cette commémoration, il est prévu une série d'activités à partir de ce 28 octobre et ce jusqu'au 2 novembre prochain. Toutes ces informations ont été données au cours d'une conférence de presse que le comité d'organisation a animée hier à Ouagadougou. Gérald Sommet et Yolande Lompou. Les forces armées nationales se préparent à fêter leur 55e anniversaire. Cet anniversaire qui se veut sobre au regard des douloureux événements que le pays des hommes intègres a connus a pour thème raffermissement de la vocation militaire au service d'une armée républicaine. Célébrer l'anniversaire de l'armée, c'est rendre hommage à une institution, à une communauté de femmes et d'hommes qui ont décidé de servir leur pays par les armes et qui sont prêts à faire don de leur vie pour la patrie.
Certes, des moments tumultueux ont quelquefois écorné et détérioré l'image de l'armée. Mais l'institution militaire a, à chaque fois, su relever la tête avec dignité. Le budget n'est pas encore bouclé, mais au dit du président du comité d'organisation, les différentes commissions sont déjà à pied d'œuvre. Quant à l'activité, sont au programme de cette commémoration. Il s'agit d'une remise de contribution des femmes en soutien aux victimes de putsch manqué, des baptêmes de casernes, notamment celle du camp 1178, du camp Bangré, des camps de Dudugupo et Tinkodogo, d'une cérémonie de prise d'armes suivie de décoration, d'une cérémonie de dépôt de gel en mémoire de nos devanciers. Dès demain, 28 octobre 2015, les forces armées nationales remettront au ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale une enveloppe de 5 millions de francs CFA en guise de soutien aux victimes du putsch manqué. À la différence des années antérieures, à cette commémoration, la grande parade n'aura pas lieu. Quelle stratégie pour permettre à la Commission nationale des droits de l'homme de remplir sa mission avec efficacité? Les acteurs du domaine pensent à un projet de loi portant réforme de la dite commission. Pour eux, c'est en cela que les droits humains seront mieux respectés au Burkina Faso. Ils sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou pour mener la réflexion et valider un avant-projet de loi irrelatif. Jean-Eudes Bayala, Abdelaziz Yagibou. La Commission nationale des droits humains, CNDH, connaît depuis sa création en 2001 des difficultés d'ordre structurel. Difficultés qui ont fortement réduit ses capacités à promouvoir, à défendre et à protéger les droits des citoyens burkinabés. Au plan international, la CNDH, autorité publique autonome, peine à se conformer aux textes juridiques en vigueur. Pour lever les obstacles qui se dressent sur son chemin, la Commission s'est inscrite dans une dynamique de réforme et d'amélioration de ses performances. Nous avons décidé de relire, sous cette transition donc, les textes de la CNDH pour la rendre totalement indépendante sur le plan financier et améliorer donc sa composition. L'avant-projet de loi qui sera amendé et validé à l'issue de ces travaux devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la CNDH Burkina, en quête de conformité aux standards internationaux. Il a été institué une petite équipe de rédaction de la nouvelle loi et cette équipe a été appuyée par l'Institut danois des droits humains. Et l'équipe a produit la nouvelle loi qui sera soumise à l'appréciation des partenaires techniques et des partenaires des autres associations ONG avec lesquelles nous travaillons au Burkina. Il s'agit donc de voir la conformité de cette loi avec les principes de Paris qui régissent donc toutes les commissions nationales de droits humains. Il est attendu de ces réflexions un document de qualité répondant aux attentes des pouvoirs publics et des populations en matière de droits humains. Autre point de l'actualité, l'expérimentation d'un vaccin contre le virus Ebola sera bientôt lancé au Burkina Faso. Dénommé Ebovac 2, il sera expérimenté par le centre Muras de Bobo-Dioulasso. Mais pour l'heure, les premiers responsables ont jugé nécessaire de porter l'information aux autorités administratives des Hauts-Bassins. Hier, ils leur ont expliqué l'ambition de ce projet de vaccin. Des précisions avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Le centre Muras a été placé au cœur du dispositif de lutte contre la maladie à virus Ebola par le ministère de la Santé dès les premières heures de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il est question pour ce centre de tester un candidat vaccin contre la maladie à travers un projet international appelé Ebovac 2. C'est un projet qui va évaluer un candidat vaccin proposé par le laboratoire hollandais Johnson & Johnson pour vérifier que ce vaccin en phase 2 n'est pas toxique, est bien toléré par l'organisme humain. L'essai va concerner 6 groupes de personnes et ces personnes seront invitées à se présenter à la clinique médicale du centre Muras pour passer une série d'analyses afin de vérifier leur aptitude à participer à l'essai vaccinal. Le premier groupe, c'est les adultes sains, vous. Le deuxième groupe, c'est les personnes âgées, entre 60 et 70 ans. Le troisième groupe, c'est les personnes vivant avec le VIH. Le quatrième groupe, c'est les enfants, les adolescents de 12
12 à 17 ans. Et le dernier groupe, sixième groupe, c'est les enfants de 1 à 5 ans. Les inclusions débuteront entre fin novembre et début décembre. Et il est attendu une adhésion massive de la population burkinabé afin de réussir les défis majeurs de cet essai vaccinal. Depuis hier matin, dans la capitale burkinabé, les journalistes membres du club de presse de la Chambre de commerce et d'industrie sont en formation. La formation est axée sur les outils d'arbitrage, de médiation et de conciliation dans le règlement des conflits commerciaux. Et grâce à cette formation, ces journalistes devraient être à même d'analyser les relations commerciales dans un vocabulaire adapté. Le report est de Hortense Yéveline Yélimou. Ils sont journalistes, tous membres du club de presse de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Principaux partenaires de la structure, ces journalistes constituent un réseau d'information économique. Alors nous travaillons en étroite collaboration avec les journalistes pour mener un certain nombre d'activités qui visent non seulement à donner davantage de visibilité à notre institution, mais aussi qui s'introduit dans le cadre du renforcement des capacités. Analyser les relations commerciales, les subtilités des clauses contenues dans les contrats et la nature des éventuels conflits, c'est désormais la tâche qu'incombe ces journalistes dans leurs différentes rédactions, d'où cette remise à niveau. L'objectif ultime, c'est qu'ils soient des relais dans le secteur privé comme dans le secteur public pour pouvoir, en tout cas, apporter ce message selon lequel l'on peut régler autrement son litige et dans la simplicité, dans la compréhension et obtenir, comment dirais-je, une décision souhaitée. La formation est l'œuvre du CAMCO, le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou. À terme, elle devrait permettre à ces journalistes d'appréhender les sujets économiques sous des angles bien aiguisés. La Fédération des compagnies de théâtre Cartel a dévoilé son chronogramme d'activité pour la saison 2015-2016. Cette saison s'étale sur 9 mois et va se dérouler à Ouagadougou et dans d'autres localités du Burkina Faso. Les responsables de Cartel ont animé une conférence de presse hier pour donner des précisions. Jean-Eude Bayala, Bouma Ernest Nebi. La saison théâtrale 2015-2016 de Cartel est déjà ouverte. On dit ses premiers responsables qui ont organisé à Ouagadougou cette conférence de presse pour annoncer la suite des spectacles qui sont au programme. La programmation part du seul en scène aux marionnettes et puis nous bénéficions aussi de la présence d'un spectacle en langue dont Sidiki Yougbaré est désormais le maître incontesté. Nous avons dans notre programmation aussi du conte théâtralisé. Conte théâtralisé. Nous allons avoir droit à Kumba et Kari, qui est une création de la Fédération du Cartel. À cette saison, des innovations vont retenir l'attention des spectateurs. Cette année, nous avons une saison qui va durer sur 9 mois, de façon ininterrompue, presque ininterrompue. Donc, sur 9 mois, nous avons également noté l'ouverture vers le Bénin. En termes même de quantité de spectacles, nous avons une offre beaucoup plus importante. Et puis, le volet décentralisation de nos spectacles prend des zones beaucoup plus importantes. Nous avons étendu la saison à 4 nouvelles villes cette année. La saison prend fin en juin 2016. Les spectacles vont se dérouler pour la plupart dans les deux grands centres de diffusion de Cartel, Sisa Gungin et à la cité Antoine de Ouagadougou. En marge de ces spectacles, des séances d'initiation au théâtre sont organisées. Revenons chez nous pour voir l'actualité traitée dans la presse écrite. Les quotidiens de ce mercredi se sont intéressés particulièrement au discours du président du Faso au Conseil national de la transition. Voici la revue de presse de Jacques Lamissa Tarpaga. Le passage du président du Faso devant le Conseil national de la transition barre la une des quotidiens de ce mercredi. Et comme s'ils s'étaient partagé la même plume, les journaux affichent des titres à la limite identiques. Soyez des Hercules de la liberté, il n'y a pas plus légitime que vous, Michel Kafando s'adressant ici aux députés du CNT. C'est la première fois qu'un chef de l'État s'adresse physiquement aux députés de l'Assemblée nationale, référence faite ici au CNT, des propos de shérif ci repris par Le Pays.
Le journal, dans un compte-rendu, fait ressortir les grandes lignes du discours du président. L'observateur Palgal, lui, publie le discours en entier avant de nous faire lire des réactions. « J'en suis ému », dit une députée. « C'est la preuve du changement », renchérit une autre. « Il a accompli son devoir », se contente un autre député. Du discours du président, le journal Le Quotidien revient sur ses propos. « La légitimité est avant tout la claire conscience que l'on a de servir son pays à l'appel du peuple. » La mise en accusation de personnalité, l'enquête parlementaire sur la fraude fiscale, la résistance pour mettre en échec le coup d'État sont autant d'actions relevées par Michel Cafando et relayées par les titres du jour. Le quotidien Le Soir lui consacre une réflexion au discours du président du Faso, un discours entre adieu et mea culpa, nous dit Le Soir. Le président regrette de n'avoir pas pu passer à la 5e République sous la transition. Michel Cafando doit plutôt se remettre en cause pour n'avoir pas soutenu l'initiative du CNT. Il faut seulement croire que cette erreur qui plonge dans l'inconfort aidera à mieux décider pour la révision constitutionnelle, ajoute Le Soir. Et sur le passage du président du Faso au CNT, Le Soir conclut que c'est une pratique qui peut avoir son importance en termes de dialogue démocratique et politique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.